Good morning, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le niche matrice, Jaron, ben fortune, mazal, Claudie, Israël, ben fortune, mazal, Dan, Myriam, Bat, Élisée, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions Messer Kiuma, Perigdalet, Mishnah, Hey. Bechol Yom, Kohanim, Olim, Be Mizrachu, Shalkevesh, Yordin, Be Maravo, Ve Ayom, Kohen Gadol, Ole, Baemza, Ve Yored, Baemza. Rabbi Yehuda Omer, Le Olam, Kohen Gadol, Ole, Baemza, Ve Yored, Baemza. Bechol Yom, Kohen Gadol, Mekadesh, Yedav, Raglav, Minakior. היום מן הקיטון של זהב. רבי יהודה אומר לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיטון של זהב. On a, depuis la Mishnah précédente, on a un petit peu quitté le rituel, l'ordre du rituel de Yom Kippour. Pour rappel, on est maintenant dans le premier tronçon le plus important de Yom Kippour. En fait, le Kohen Gadol qui met le Big Delavan, qui va commencer à faire la vodot spécifique du jour. On a déjà parlé du vidouille sur le par, le tirage au sort des deux Elim. Il est reparti sur le par pour faire le vidouille. Le vide de cette facile pour tous les Kohanim. Et après, il faisait la shrita du par, il transmettait le sang à un Kohen qui le secouait pour ne pas qu'il coagule. Et maintenant, il commençait à faire la voda de l'actoret. L'actoret, il était monté sur le misbéar pour faire descendre la Martha, pour faire descendre une Martha pleine de braise. D'accord? Il l'appelle pleine de braise. Du coup, la Mishnah précédente, elle s'est mise à nous raconter plein de détails sur la différence des ustensiles utilisés à Yom Kippour, les braises de Yom Kippour, la Martha, la pelle plutôt de Yom Kippour, l'or spécial qu'il avait, comment elle était plus légère, comment on se faisait qu'un idole. Du coup, on sait bien faire des différences entre Yom Kippour et les jours classiques de l'année. Notre Mishnah elle va continuer à nous préciser davantage d'autres différences qu'il y avait entre la Voda à Yom Kippour et la Voda des autres jours. Les Cholom Kohanim, Olim, Bemizrachou, Shel Kevesh, tous les jours, les Kohanim montent au Mizrach, sur la partie est du Kevesh, de la rampe, Veyordin Bemaravo, ils descendent à l'ouest. C'est-à-dire, on a déjà expliqué plein de fois, on rentre dans la porte Mizrach, à l'est, et on se dirige vers l'ouest. D'accord? C'était pas nord-sud, c'était est-ouest. Shrina Bemarav, la Shrina est toujours Bemarav. On monte, c'était en dénivelé, on monte en à l'est. On a le nord qui est de ce côté, et le sud de ce côté-là. La rampe du Mizbéach, elle monte du sud vers le nord. Parce que l'arrière du Mizbéach, c'est la partie nord qui était vide. Et là-bas, on faisait la shrita de tous les Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, shrita ten batsafon. D'accord? Donc, la Mishnah me dit tous les jours, les Kohanim montent sur la partie est. Donc, si vous partez de l'orientation sud vers le nord, la partie à droite, c'est l'est. Donc, nos ancêtres n'étaient pas des Anglais. Ils roulaient à droite. Et il redescendait aussi en roulant à droite, qui était devenu inverse, d'accord? Donc, il monte par ici. Kol pniyot chataponé, loyu et la derechemin, chaque fois que tu veux tourner, pour faire une avoda, on ouvre par la droite, il y a plein de lachot qui dépendent de ça, les kohanim, quand ils se retournent, quand ils font la bracha, à Hanouka, quand on allume les nerot, toujours yamin, on fait valoriser la droite. Le Sefer Torah, on le prend, on sort du Echal, on se dirige vers la Teva, on la prend vers la droite. De la Teva, on revient vers le Echal, on marche de nouveau vers la droite. D'accord? C'est la règle. Et c'est le même principe, c'est déduit dans la Gemara, elle parle d'ici, en l'occurrence, de ça. Bien que la Gemara parle spécialement au Beit HaMikdash. Donc, tous les jours, les Kohanim, Olim, Bemizrachou, Shel Kevesh. Donc la rampe, il y a des Kohanim qui montent, des Kohanim qui descendent, ça faisait 16 amas de large, ça faisait 32 amas de large au total, c'est 24 amas de large la rampe, je crois. Donc, les Kohanim, ils montaient dans la partie à droite, et ils redescendaient, ce qui était devenu leur droite, donc la partie de gauche qu'on est encore en bas. Et Ve'ayom, aujourd'hui, Kohen Gadol, Ole Ba'emtsa, Ve'yored Ba'emtsa. Le Kohen Gadol monte au milieu et redescend au milieu, comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, sans contrainte et sans sans limite. Voilà. Et ça montre quelque part qu'aujourd'hui, à Yom Kippour, Hachem, il aime le Ham Israël, et il attend notre Avoda, et il nous fait des... Allez, mon fils, viens, entre, passe au-dessus de toutes les règles que j'impose au commun des hommes. D'accord? C'est le principe. Ça, c'est la vie de Tanakamar. Biodomer, Leolam, Kohen Gadol, Oleben, ça veut même ça. C'est pas qu'à Yom Kippour. N'importe quel jour, lorsque Kohen Gadol, il arrive au Beit HaMikdash, j'ai envie de travailler, il monte au milieu, il redescend au milieu. On lui donne cet honneur. Deuxième différence. Tous les jours, le Kohen Gadol, c'est-à-dire même le Kohen Gadol, sanctifie ses mains et ses pieds, Minakior, depuis le robinet
Il y avait un robinet spécial, un Lucky Or qu'on a déjà évoqué dans un opéric précédent avec Betkatine et tout ça. Le Lucky Or qui est un ustensile en fait, où il y avait de l'eau, que les Kohanim s'approchaient de lui là-bas, il y avait des becs, et s'approchaient du Lucky Or, et puis ils se sanctifiaient les mains et les pieds, en faisant couler l'eau du Lucky Or dessus. Eh bien, le Kohen Gadol aussi, il était contraint de faire comme tout le monde, tous les jours. Il devait se sanctifier avec les Yadet Ragla Minakor. Ve'ayom Minakiton Chazav. Aujourd'hui, on avait un ustensile spécial en or, un récipient en or, avec lequel on lui apportait l'eau, et puis il se sanctifiait comme ça directement. De nouveau, c'est signe de distinction. Il n'était pas comme tout le monde. Ok? Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda nous dit non. Le'olam Kohen Gadol Mekadesh Yadav Raglav Minakiton Chazav. Toujours le Kohen Gadol sanctifie ses mains et ses pieds. À partir du Kiton Chelzav, de ce récipient en or, cette cruche en or, ce tonneau en or, il se sanctifie les mains et les pieds avec lui, parce que toute l'année, il fallait distinguer le Kohen Gadol. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.